Salut à tous, c'est Matt de Ouf. Bienvenue pour une nouvelle vidéo des armes de BO3. Aujourd'hui, on regarde les fusils d'assaut. Donc le premier, c'est le ARK-7. C'est un fusil automatique avec une cadence très élevée. Ensuite, on a la Manhauer, qui est en fait avec une cadence un peu plus lente, mais par contre des dégâts plus élevés. Il y a aussi la HVK-30. Et la particularité de cette arme, c'est vraiment sa cadence super élevée. Par contre, la portée et les dégâts sont vraiment réduits. Nous avons aussi la Shiva, qui est un fusil semi-automatique. C'est-à-dire que dès que vous appuyez sur la gâchette, il y a seulement une balle qui va partir. Beaucoup de dégâts, mais une cadence bien sûr réduite. Il y a aussi la M8A7, donc ça c'était la grande favorite où tout le monde jouait avec. C'est un fusil qui tire donc à rafale avec 4 balles d'un coup. Il fait mal et vraiment il y avait tout le monde qui jouait avec. Ça va être une arme vraiment incontournable de ce BO3. Pour finir, il y a la RX2. Donc là c'est aussi une arme à rafale. Mais voilà, comparé à l'autre, la M8, je pense qu'il n'y a vraiment pas comparaison. Et donc à choisir, tout le monde choisira la M8. En fond, je vous propose comme d'habitude donc un gameplay avec chaque arme. Donc la vidéo est plus longue que d'habitude, mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de fusils d'assaut. Donc voilà, je voulais vous donner une bonne idée des armes en général. Pour ceux qui vont choper BO3 très vite, je pense que les meilleures armes pour commencer, ça sera l'ARK-7 et la Manhauer. Et je pense que la plupart des gens, dès qu'ils auront débloqué la M8, passeront sur cette arme. Mais vous pourrez pas la débloquer avant le niveau 30, voire 40, je me rappelle plus trop. Pour moi, les autres fusils d'assaut sont un petit peu inutiles. La XR2, comme dit, c'est juste un peu une réplication de la M8 en moins bien. Donc je vois vraiment pas pourquoi les gens vont jouer avec. La HVK... elle a une cadence tellement élevée qu'au corps à corps, elle sera pas trop mal. Mais genre, si vous voulez une arme avec une cadence comme ça, optez plutôt pour une mitraillette. Je pense que vous aurez une arme beaucoup plus pratique pour n'importe quel mode de jeu. Pour la Shiva, il sort toujours une arme un peu comme ça, donc un semi-automatique. Moi, je les trouve souvent nuls. Encore une fois, si vous voulez jouer avec une arme comme ça, prenez plutôt un sniper. Je pense que vous serez beaucoup plus efficace. Et voilà, le seul mode où ça pourra peut-être un peu être utile et gérable, je dirais que ça serait le mode hardcore. Maintenant, à voir ce que ça donne, on verra peut-être des gens jouer avec, mais franchement, je serais très surpris de voir beaucoup de monde qui se trimballe avec cette arme. Donc comme vous le savez, le jeu est sorti hier, pour ceux qui ont réussi à le choper un peu en avance. Et voilà, je vous souhaite tous de bien gamer sur ce nouveau BO3, en espérant que tout le monde va l'apprécier et se faire surtout plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao !